What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Poeky News à propos de chez Apple, de l'iPhone mini. Et ouais, en fait, ça commence à devenir pour l'instant, bah, y a des rumeurs, tout ça, mais quand même à devenir une petite réalité qui commence à se créer, puisque ça se répand de site en site. Et puis là, maintenant même sur YouTube, hein, vous voyez comme quoi ça se répand bien. Non, je rigole. Mais quelque part, en fait, comme quoi on a des petites informations qui pourraient vraiment déduire d'un iPhone mini. Donc c'est vrai, bon, pour l'instant, on se retrouve donc dans un téléphone avec à dimension réduite, hein, bien sûr. Et quelque part, on pourrait le comparer à d'autres téléphones. Alors juste avant de vous dire à propos de qu'est-ce qu'a dit Apple, j'ai vraiment envie de vous donner des exemples pour vous montrer comme quoi pour l'instant, même si les nouvelles générations de smartphones se dirigent vers des dimensions plus grosses en fait au niveau de la taille de l'écran, hein, c'est vrai qu'on remarque que le Galaxy S4, tout ça avec des plus grands écrans, plus grande autonomie, mais c'est vrai qu'aussi ils font des versions on va dire réduites, c'est-à-dire comme par exemple l'HTC avec le One, le Samsung Galaxy S4 on retrouve aussi en version mini, et le LG, le G2, donc aussi on retrouve en petit écran. Donc c'est vrai que c'est quand même des téléphones à laquelle en fait dans chaque marque, puisqu'on retrouve dans HTC, Samsung, LG, et pour l'instant au niveau de chez Apple, eh bien au niveau des smartphones, on n'a pas encore de version réduite. Donc on pense vraiment qu'en 2014 on va retrouver, vous savez par exemple cette année là en 2013 on a eu l'iPhone 6, c'est à dire l'iPhone color avec l'iPhone 5S, et puis on pense l'année prochaine se retrouver bien encore avec deux smartphones, l'iPhone mini avec l'iPhone 6 qui sera avec grand écran, l'iPhone 6 plus grand écran que l'iPhone 5S, mais l'iPhone mini si vous voulez sera plus petit que l'iPhone, par exemple l'iPhone 5S au niveau de la taille de l'écran. Et donc au niveau des informations, donc déjà avec quelques petites conférences ou ça, il y a eu déjà des questions qui ont été posées auprès d'Apple qui ont déjà fait cette remarque là. Ce qu'on sait, c'est que déjà, et ils l'ont déjà dit, ils l'ont cité, que nous avons déjà créé des versions, des dimensions réduites déjà pour d'autres interfaces du style par exemple les iPads. On a bien retrouvé l'iPad mini, on a plein d'iPads, et puis finalement on l'a retrouvé en version mini. Donc certainement on va le retrouver une sorte d'iPhone mini, c'est pas ce qu'ils ont tout cité, mais ils ont dit aussi par exemple que certainement on va retrouver l'année prochaine, il y aura cette nouvelle génération d'iPhone, c'est-à-dire l'iPhone 6 avec l'iPhone mini qui sera très petit. Et attention, il a été cité, donc nous voulons créer en fait un petit smartphone plus compact et moins cher. Alors j'espère que le moins cher sera vraiment ils disent moins cher, j'espère qu'il sera vraiment moins cher, hein, parce que c'est pas comme l'iPhone 5C où soi-disant il est moins cher, puis on retrouve quasiment au même prix que les autres iPhones. Donc ça sert limite à rien puisqu'il est en plastique en plus. Donc franchement, j'espère qu'il y aura vraiment un changement là-dessus. Mais ils ont cité un smartphone plus compact, donc en gros plus réduit, plus écrasé en fait, si vous voulez, il sera plus petit et moins cher. Donc c'est vraiment leur objectif pour l'année 2014 de créer ce smartphone-là avec un iPhone 6 en fait, qui sera beaucoup plus puissant que l'iPhone 5S bien sûr, et plus grand écran, un peu une sorte de ressemblance avec le Galaxy S4 au niveau de la taille de l'écran, donc quand même quelque chose d'assez conséquent. Au niveau des caractéristiques, de toute façon je vous en parlerai très prochainement pour l'iPhone mini, puisque là c'est vrai qu'on est on est là dedans, on est vraiment dans l'iPhone mini. Et bien c'est qu'il sera, il comportera en fait un processeur plus puissant, tout simplement avec la nouvelle mise à jour, vous savez avec iOS 7 en fait, si vous voulez, on peut pas mettre un vieux processeur dessus, il va falloir vraiment mettre un nouveau processeur, parce que quelque part il va falloir faire tourner quand même cette nouvelle mise à jour qui est quand même assez volumineuse, hein. Elle comporte pas mal de choses. Et elle aura les mêmes caractéristiques en fait, semblables à celles de l'iPhone 4. Donc c'est vrai qu'on se retrouve vraiment au niveau des caractéristiques avec un iPhone 4, sauf plus petit, plus compact et j'espère moins cher. Donc c'est-à-dire 300-400 €, ça serait déjà quelque chose d'extraordinaire de chez Apple. Donc au niveau des caractéristiques, je vous en parlerai très prochainement. En gros, c'est-à-dire appareil photo de 5 mégapixels, tout ça, sauf le processeur en fait qui va changer. Normalement, il devrait être très récent le processeur, puisque comme je vous l'ai dit, avec sa nouvelle version, le iOS 7, en fait, j'espère normalement ils devront mettre un nouveau processeur, parce que sinon il y aura quand même beaucoup de bugs, beaucoup de lags, beaucoup de freeze, et ça je pense ça va vraiment vraiment tuer l'iPhone mini, qui va avoir après une mauvaise réputation. Le but c'est d'avoir une bonne réputation avec un prix, ils vont le mettre quand même assez cher, mais aux alentours de 300-400 €, ça sera déjà quelque chose d'extraordinaire, tu vois, limite ça sera déjà bien de chez Apple. Voilà, merci à tous les gens, franchement dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. C'est vrai que c'est un sujet un peu assez intéressant à laquelle on pourrait se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire. Non, c'est pas nécessaire, même franchement un iPhone maintenant de nos jours, que ce soit l'iPhone 5S, moi j'ai le 4, et il rentre bien dans ta poche, t'as pas de problème de taille, hein, on est d'accord. Pourquoi chercher plus petit?
Il est très bien déjà. Même des fois, c'est vrai que pour regarder des vidéos, tout ça, c'est un peu relou. Parce que bon, l'écran est déjà petit. Mais bon, créer un écran plus grand comme l'iPhone 6, bon, là, on peut regarder. Ça peut être intéressant s'il y a une évolution entre l'iPhone 4 et l'iPhone 6. Pour les gens qui passent entre ces deux générations, ça peut être intéressant. Mais de passer à l'iPhone mini, bon, ça reste à discuter. Enfin voilà, c'est une longue discussion qu'on peut le faire dans la barre des commentaires, un long truc. Voilà. Merci encore à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Surtout de me suivre sur ma page personnelle. Et puis dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. C'est vrai que c'est assez bizarre. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out. C'est très bizarre même. iPhone mini, iPad mini, iPhone mini. Ça sent même logique. Et en plus, ça, il y a des rumeurs de ça. Franchement, année 2014, ça va apparaître. Ne vous inquiétez pas. C'est. Bah, c'est.